Ezekiel qui rejoint la Bonjour ligne. Ezekiel. Ok, nous sommes en direct. Raj, can you make me co-host? Then we also we start the recording also online. Comment vas-tu, Ezekiel? Je vais bien chez vous. Ah oui, ça va. Tu nous as manqué la semaine dernière. Oui, j'étais tellement occupé, tout ça, donc j'ai pas pu être là. T'inquiète. Mais je suis là aujourd'hui, on sera avec. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reprends le cours de la semaine dernière parce qu'on était. Il y avait beaucoup de personnes, donc comme ce sont des. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Your Highness, you are online. Ouais, t'es en ligne là, super. Bonjour Selim. Il n'a pas une bonne connexion encore, Selim. Ouais, il est pas tout à fait ici. Il est ici et pas ici. Qui? Selim. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sa connexion n'est pas complètement établie. C'est-à-dire, je vois qu'il est rentré, mais pour lui, de l'autre côté, je ne sais pas s'il est là. Il ne nous entend pas, je pense. Oui, voilà. Voilà, c'est ce que je... OK. Shall we start? Voilà, nous avons Bouddha qui a rejoint aussi. Selim. Rabia qui arrive. On va attendre Rabia. Voilà. Ouda. On est en direct. C'est Séverine. Oui. Est-ce que tu peux juste appuyer sur le bouton enregistrer parce que j'ai donné mon host à Raj. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton enregistrer en bas ou en haut, je sais pas. Là où tu vas enregistrer, appuyer sur enregistrer. Je sais pas. Comment je fais ça? T'appuies sur enregistrer. Oui, non, mais attends. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment. Okay, alors je vais lui demander. Je ne peux pas parce que comme normalement, tu peux. En tant que co-host, tu peux. Tu es co-host. Attends, je demande. Comme j'ai partagé mon écran, tu sais. Because I have to record and control the... Yes, please. Ok, il va le faire. Comme j'ai partagé mon écran, je peux pas. Rabia est là aussi. Tout le monde est arrivé. Donc, c'est bien parce qu'on a le Maroc qui est avec nous. On a la France. L'Inde qui est là. Rania. Rania. La fête, hein? La fête! Ok, on est... Ok, on peut démarrer, c'est bien. Ok. Alors, il y a... Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Maïkou. Bien, tu es là. Bonjour, ça va? Bien, merci à vous-même. Oui, ça va, c'est gentil. Un plaisir d'être parmi vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes nos fidèles élèves. Merci beaucoup. La semaine dernière, j'étais à l'extérieur et avec mon portable, je vous écoutais, mais je n'arrivais pas à participer. Ah, donc tu as suivi le cours? Oui. J'étais là avec vous. À un certain moment, vous me parliez, mais je vous écoutais. Moi, j'ai vu que tu étais déconnectée. Oui. J'essayais de me connecter, de me reconnecter pour suivre, mais c'était pas facile avec le portable. Dorénavant, ça sera sur le PC. D'accord. Alors, du coup, je reprends les mêmes cours que la semaine dernière. Tu sais, sur la famille, comme c'était un cours quand même assez complet. Donc, beaucoup de vocabulaire et on fera un exercice à la fin. OK. Je ne sais pas si tu as assisté à tout le cours la semaine dernière. Pas tout le cours, c'était entrecoupé. Ok. D'accord, je ne vais pas perdre de temps parce qu'il y a quand même pas mal de diapos. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la famille, les membres, la famille. Famille. Oui, yes. Membres de famille.
Pardon? Non, je disais la famille. Okay. D'accord, très bien. Donc voilà. Et donc la première diapo, excusez-moi, je vais me moucher, hein. Excusez-moi. Bien sûr. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Jade. Je sais pas ce qui t'est arrivé, on voit ta tête en bas. Hein? Vous voyez quoi? On voit ta tête en bas, tu es à l'envers. Ah, je suis à l'envers. À chaque fois. Attendez, c'est ce qui m'arrive, je sais pas. Hein? En fait, il faut que tu tournes ton portable. Non, c'est pas moi, c'est mon... C'est mon ordinateur. Comment je vais ça se voir fait. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que tu es à l'envers? Ouais. Le principal, c'est que tu arrives à suivre. Bon, c'est pas grave. Même si tu as la tête à l'envers. À l'envers, c'est pas grave. Même la tête à l'envers, essaie de suivre quand même. Non, mais c'est je crois. C'est bon maintenant? Non. Toujours à l'envers. Toujours à l'envers. C'est très bien d'être à l'envers, c'est très bien. Non. Maintenant. Différenci des autres. C'est bon, c'est bon. Bon, on va commencer. Ah voilà, super. Là, on voit bien ta tête. Donc première diapo à l'endroit là. Super. Donc première diapo, écoutez bien. Donc on va voir les différents membres essentiels de la famille. Tels que le père, la mère, oui. L'enfant, la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. Donc, en vocabulaire soutenu, on va appeler le père « father », la mère « mother », l'enfant « child » et pas « child ». Séverine, on ne voit pas ton image avec le truc. On voit juste le cours d'anglais, « CV English ». On ne voit pas ton écran avec le père, la mère, tout ça. Ah bon? Ouais. Bon. On voit la bibliothèque documentaire. Document. Ouais, voilà. Appuie sur ton document. Voilà, ça y est, c'est bon là. Ah, ok, là c'est bon. Yes. Ok. Ouais. Vous voulez que j'agrandisse ou pas? Oui. Bon, je vais agrandir. Hop, diaporama. Allez. Donc vous suivez? Yes. Parfait. Voilà, donc père, je disais, on le dit father en langage soutenu. Mère, mother. Yes. Enfant, child. Grand-mère, là on met le grand, grandmother. Grand-père, pareil, grandfather. Arrière-grand-père, great grandfather. Et arrière-grand-mère, great grandmother. En langage, on va dire familier, pour dire papa. Maman, donc on dit dad, mum, pluriel pour les enfants, children, grand-maman, grandma, grand-papa, grandpa, arrière-grand-papa, great-granddad et arrière-grand-maman, great-grandmom. En langage encore plus familier, on va dire papa pour voilà, daddy, mommy. Ça c'est okay. Le langage usuel. Kids, c'est pour le mot enfant pluriel. Grand-mère, grand-maman, granny. On va plus se dire à sa grand-mère, hey granny, granny, voilà. Arrière-grand-père, great-granddaddy et arrière-grand-mère. Great grandmommy. Donc, je vous fais répéter à tour de rôle. Donc, on va commencer par tiens, Stéphane. Oui. Alors, je réponds father. Father. The. Father. Voilà. Après. Pour dire mère, on dit mother. Oui, c'est bien. Pour dire enfant, on dit child. Non, child. Child. Child, child. Voilà, c'est bien. Ok. Je continue? Oui. Grand-mère, grand-mère. Alors, grand, tu ne prononces pas le R, grand-mother. Ah, grand-mother. Voilà. Grand-père, grand-faveur.
grand. Le R ne se prononce pas en anglais, il se dit re, grandfather. Ah, grandfather. Okay. Voilà, c'est bien. Grandfather. Arrière-grand-père. Great grandfather. Très bien. Arrière-grand-mère. Great grandmother. Oui, en langage familier. Dad, pour dire papa. Maman, pour dire maman. Enfant, children. Au pluriel, oui. Pour dire grand-mère, c'est grand-ma. Oui. Ça. Oui, c'est très bien. Grand-père, c'est grand-pa. Oui. Et great-grand-dad, arrière. Oui. Et great-grand-mum, arrière-grand-mère. OK. Et après la suite. Je continue. Oui. En langage très familier, daddy. Oui. Papa. Mommy, maman. Oui. Kids, au pluriel, enfant. Oui. Granny, pour dire grand-mère. Oui. On va deviner pour le grand-père. Non, il n'y a pas de mot pour le grand-père. D'accord. Et pour l'arrière-père, great granddaddy. C'est ça? Oui, c'est bien. Okay. Et pour grand-mère, great grand mommy. C'est bien. Voilà. Grand-père, s'il y a un mot, on pourrait dire granddaddy, effectivement. Mais bon, c'est pas. Voilà. Donc, ben, c'est très bien, Stéphane, je te félicite. Donc, bonne accentuation. Donc, je passe à. Qui est là? Ah, Ouda n'est plus là. Ah si, Ouda. Et je suis de retour. À toi. Fais tout le tableau. Je te fais répéter le tableau. Père, father, dad, daddy. Très bien. Mère, mother, mom, mommy. Très bien. Enfant, children. Child. Alors, c'est child. Child, children, kids. Bien. Grand-mère, grandmother, grandma, granny, grand-père, grandfather, grandpa, arrière-grand-père, great grandfather, great granddad, and great granddaddy. Très bien. Arrière-grand-mère, great-grandmother, great-grandmom, and great-grandmommy. C'est très bien. Félicitations pour ton accentuation. C'est bien. Ta prononciation est... Merci. Alors, je passe à qui est là? Céline n'est plus là. Et bien, Rabia, du coup. OK. Father, mother, child, grandmother, grandfather. Great grandfather, great grandmother, dad, mom, children. Pardon, excusez-moi. Je corrige juste sur un mot, c'est enfant au singulier, c'est child et pas child. Child. Child, ok. Sur beaucoup d'enfants, c'est children. Yes. Children. Yes. Child, grandmother, grandfather, great grandfather, great grandmother. Dad, mom, children, grandma, grandpa, great granddad, great grandmom, daddy, daddy, mommy, kids, granny, great granddaddy, great grandmommy. C'est très bien. Merci beaucoup. Thank you. Ton accentuation. Allez, je passe à la deuxième diapo. Donc là, c'est un peu plus complet. Donc les autres membres de la famille. Donc. Pour dire une fille, on dit daughter. Le fils, on dit son. Mari, on dit husband. Donc, avec bien, comme je vous rappelle le cours avec le H prononcé. Donc là, on prononce le H. Donc, husband. Femme, wife. Femme pour dire épouse, wife. Frère, brother. Sœur, sister. Oncle, uncle. Tante, aunt.
nièce, niece, neveu, nephew, et cousin, cousine, on dit cousin. Donc, je vous fais répéter. À toi, Rabia. Yes. Daughter, son, husband, wife, daughter, sister, uncle, aunt, niece. Niece. Nephew, cousin. Cousin. Voilà. Yes. C'est très bien. À toi, Ouda. Daughter, son, husband, wife, brother, sister, uncle, aunt, niece, nephew, cousin. C'est très, très bien. Allez, à toi, Stéphane. Tu es là? Oui. À toi. OK. Daughter, son, husband, wife, brother, sister, oncle. Non, uncle. Uncle. Très bien. Uncle. Aunt. Niece. Tu prononces pas le niece. D'accord. Niece. Nephew et cousin. Cousin. Bien, très bien. Allez, je passe à la troisième diapo. Donc, pour la belle famille, en anglais, on n'utilise pas le mot belle-mère pour parler à la fois de la nouvelle femme de mon père et de la mère de mon mari. C'est beaucoup plus simple qu'en français. On ne se prend pas la tête. Pour parler de la famille recomposée, on met juste step, S-T-E-P, devant le nom. Ça indique qu'il n'y a pas de lien de sang, donc aucun lien de sang, mais qu'on vit ensemble, ou au moins on se côtoie. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Oui. Dire tout ce qui est belle famille, où il n'y a pas de lien de sang. C'est ça, la belle famille, on va dire. Par exemple, je me remarie. Belle-mère. Je me remarie, mes enfants vont appeler mon futur mari, beau-papa ou voilà, beau-step-dad, par exemple. Step and la nomination. Step. Voilà, on dit step et puis le nom, effectivement. Donc, pour dire belle-mère, on va dire step-mother. Beau-père, on va dire step-father. Belle-fille, on va dire step-daughter. Beau-fils, on dit step-son. On parle de demi en français, même s'il n'y a pas de lien de sang. Donc, pour dire un demi-frère, step-brother, et demi-sœur, step-sister. Attention, il n'y a pas de lien de sang là. Ça, c'est, on parle de belle-famille. Donc, je te fais répéter, Stéphane. Alors, c'est step comme Steph, hein? Non, step. OK. Step mother pour belle-mère, step father pour beau-père, step daughter pour belle-fille et beau-fils, step son. Ok. Et step brother pour demi-frère et step sister pour demi-sœur. Très bien. Donc à toi, Ouda. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que c'est le langage courant, stepmother? Non, là, c'est le langage soutenu. Donc, pour dire belle maman, on va dire stepmother, stepmom, stepmom, step soutenu. D'accord. Pour dire beau papa, on va dire stepdad. Parce que j'avais déjà entendu. Brother-in-law, sister-in-law. C'est une autre diapo, ne pas confondre. Brother-in-law, c'est. Moi, je me permets d'intervenir si ça ne vous dérange pas. En fait, là, Séverine, elle est en train de faire tout ce qui est famille composée. C'est-à-dire que le mari a des enfants et la femme a des enfants. Et en fait, là où elle dit demi-frère, il n'y a pas de lien de sang. Ah, d'accord. C'est-à-dire, toi. Tu as des enfants, tu te maries avec un autre homme qui lui a des enfants. Les enfants sont demi-frères et sœurs.
avec aucun lien de sang. Donc, dans ce cas de figure-là, on dit stepbrother, stepsister. Maintenant, il n'y a pas de langage familier pour dire belle-mère dans une famille composée. Ça sera toujours stepmother et stepmom. Ça existe, mais voilà, en général, ils disent mom or dad. Et, voilà, pour eux, c'est leur maman ou leur père. Voilà, c'est et, ça. Voilà. Après, et après, tout ce qui est daughter-in-law, etc., ça, c'est différent. Ça, c'est quand il y a lien du mariage différent. Attendez, c'est-à-dire que moi, mon fils se marie à ta fille. D'accord ? Je suis la belle-mère de ta fille. Tu es la belle-mère de mon fils. You are the mother-in-law. OK ? Et moi, je suis... Là, j'ai compris. Dans le cas de famille recomposée, là, je voilà. vois mieux. Là, c'est la famille recomposée avec Steph. Mais mother-in-law, c'est quand il y a un lien de mariage. Ton fils a épousé ma fille. Ben, je suis sa belle-mère, mother-in-law. D'accord, oui, très bien. OK. Step-mother, step-father, step-daughter, step-son, step-brother and step-sister. Très bien. À toi, Rabia. Step-mother, step-father, step-daughter, step-son, step-brother, step-sister. Voilà. Donc, vous avez été plus vite que la musique. Ah oui, rapide. Belle famille. Donc, je passe du coup à l'autre diapo qui parle de la belle famille, mais là avec un lien de sang. Donc, on va voir. S'il y a un lien de sang, on parle comme en français de demi. Donc là, c'est égal à half. Demi, ça veut dire half. Avec le H prononcé half. Donc, demi-sœur, donc, avec un lien de sang. Half brother. Demi-sœur. Half sister. Pour parler des liens qui se font grâce à un mariage, on utilise in-law, après le nom. Ça signifie littéralement d'après la loi. C'est donc bien clair, ce sont des membres de votre famille grâce à une alliance devant la loi. Donc pour dire belle-mère, mother-in-law, beau-père, father-in-law, beau-frère, brother-in-law, belle-sœur, sister-in-law, beau-fils, gendre, son-in-law, et belle-fille, brue, daughter-in-law. Donc, je te fais répéter, Rabia. Séverine, on ne voit pas, en fait, belle-fille. Pardon? On ne le voit pas sur l'écran, belle-fille. C'est-à-dire, comme, tu vois, comme si l'image, elle était trop grande et on ne voit pas en bas, belle-fille. OK, bah, je vais réduire alors. Voilà, vous voyez? Yes. Ok. Half brother, half sister, mother-in-law, mother, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law. Voilà. Donc, Ouda, tu l'as fait? Non, tu ne l'as pas encore fait. Hein? Non, pas encore. Donc, demi-frère et demi-sœur, half brother, half sister, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, and daughter-in-law. Très bien. Allez, à toi, Stéphane. OK. Demi-frère, half brother, half sister, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law. In-law, c'est très bien. In-law. Donc, vous avez compris la différence avec le lien de sang. Là, on va dire in-law, ou pour le demi-frère et demi-sœur, half brother or half. Pardon, nous avons Céline qui est là et nous avons Chris aussi qui est là. Ah, je ne l'ai pas vu. Tu ne les as pas vus parce que tu ne les as pas interrogés. Je me suis dit pas mal. Pourquoi ne les interroge pas? Ah mince. Ben oui, c'est vrai. Eh bien, je vais vous interroger du coup. Désolée, je... Elle est extraordinaire, franchement, notre série. Elle est mortelle. J'ai qu'un tout petit écran, puisque je vois mon cours sur mon ordinateur et je vois que 4 personnes sur mon petit écran de Zoom. Merci.
Non, regarde, non, c'est parce que tu ne sais pas l'utiliser. Regarde en bas des quatre personnes, tu as une petite flèche qui va vers le bas. Tu appuies dessus et là, tu vas voir les autres. Ça y est, j'ai vu. En fait, tu es encore plus nul que moi dans tout ce qui est technologie. Je l'avoue, je l'avoue, je suis nulle. Mais bon, j'apprends, j'apprends. Non, mais c'est bien. Mais t'inquiète pas, on a d'autres cours, en fait, des tout internet et tout ça pour venir à celui-là. Grâce à l'anglais, moi, j'apprends. Je suis assez performante en PowerPoint maintenant. Donc, je suis assez contente. Wow, voilà, super. Voilà. Donc, on prend les uns des autres. On a d'autres professeurs qui enseignent aussi pas mal de choses. On accueille Céline. Bonjour, Céline. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, très, très bien. Est-ce que tu es là pour le cours de la diapo où on parle de la belle famille où il n'y a pas de lien de sang? Oui. Oui, parce que j'ai marqué le français et l'anglais. Voilà. Donc, tu te rappelles bien qu'on dit step mother, step brother, step sister, etc. Donc là, je te fais répéter cette diapo-là où on parle de lien de sang et encore de belle famille, mais avec un lien de sang. Moi, je commençais par écrire la belle famille. La belle famille, le beau-père, le beau-frère, la belle-sœur, le beau-fils. Et à côté, marqué grandre. Et la belle-fille, brume. Beau-fils, on dit gendre. Gendre. Voilà. Ah, d'accord. Et la bru pour la belle-fille. Donc, voilà. Donc, je te fais répéter, s'il te plaît, pour voir comment tu prononces en anglais. Voilà, c'est dur. Alors, bon, en anglais, ça va être un petit, parce que je dois lire en anglais. Alors, comme c'est petit, alors, donc il y a moteur, and love, l'eau, je ne sais pas quoi. Il y a L-A-W, c'est ça? L'eau. Moi, voilà. Après, il y a fat. Alors, non, c'est fa-ve. Tu tapes ta langue contre la dent et ça te donne une meilleure prononciation. Fa-ve. Fa-ter. Fa, comme un fa, comme la oui, fa. Et the, oui. Father in law. Ouais, parce que la façon comme c'est écrit father. Mais father. Father. C'est ça? En fait, tu prononces comme un V. Le TH, tu prononces, si tu veux, comme un V. Father in law. Ce sera plus simple pour toi. Donc, c'est father in you. C'est ça. D'accord. Donc, le deuxième, c'est Broughton. Voilà. Broughton. L'eau. L'eau. C'est ça. C'est ça. Oui. Sister, c'est ça. Oui, c'est très bien. En l'eau. C'est très bien. Son en l'eau. Après. Bien. Et le dernier, c'est do. Alors, do. Daughter. In l'eau. En l'eau. Daughter en l'eau. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Allez, maintenant je passe à. Excuse-moi pour ambassadeur Chris. C'est pas grave. Je ne vous ai pas interrogé, je suis désolée. Donc je te laisse faire la prononciation à partir de demi-frère. Vas-y, je t'écoute. D'accord, ce n'est pas grave en tout cas. Demi-frère, half brother. Oui. Demi-sœur, half sister. Belle-mère. Mother-in-law, beau-père, father-in-law, beau-frère, brother-in-law, belle-sœur, sister-in-law, beau-fils, gendre, son-in-law, belle-fille, bru, daughter-in-law. C'est très bien. Donc, je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Du coup, Ézéchiel, il n'est plus là. Je crois qu'il a toujours un problème de connexion. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont, la Côte d'Ivoire, ils ont un problème de connexion. Un gros problème de connexion à chaque fois. Bon, on passe à la diapo suivante. Donc, on va parler de parrains et de marraines. Donc, pour les parrains-marraines, on ajoute God. Comme God, ça veut dire littéralement Dieu, God, G-O-D.
devant le nom. Et oui, comme il s'agit d'une alliance religieuse, les Anglais ajoutent God devant le nom. En général, les parrains, les marraines, c'est souvent chez les catholiques. Donc, il y a une cérémonie religieuse qui est faite pour l'enfant. Donc, il y a le parrain, la marraine qui est là. Chez les protestants aussi, ça arrive d'avoir une cérémonie religieuse, sauf qu'il n'y a pas de baptême de l'enfant. Il y a juste une prière, une bénédiction pour l'enfant. Il y a le parrain, la marraine dont les parents ont choisi. Voilà. Ça se fait beaucoup plus souvent en Angleterre, aux États-Unis, je ne sais pas, je n'y ai pas vécu, mais en Angleterre, ça se fait. Donc, pour dire marraine, on dit godmother, parrain, godfather, filleul, garçon, godson, filleul, fille, goddaughter, et filleul, fille ou garçon, godchild. Donc, je vous fais répéter, je vais commencer par l'ambassadeur Chris. Ouais. Oui, je vais essayer. Oui, marraine, godmother, parrain, godfather, fille, godson, fille, fille, goddaughter, fille, fille ou garçon, godchild. Okay. Ben on passe, c'est très bien, c'est très bien. Donc on passe à Stéphane. Honneur aux garçons. Alors, marraine, godmother, parrain, godfather, garçon, godson, fille, goddaughter, filleul, godchild. Child. Child. Rappelle-toi la prononciation de child, ce sera child. Équivoque pour tout le race. Godchild. Child. Voilà. Godchild. À toi, Céline. C'est un peu dur. Bon, donc par rapport, c'est marraine, c'est godmother. Très bien. Parrain, c'est godfather. Très bien. Mmh. Fille et garçon. Donc fille et garçon, c'est godson. Oui. Godson, c'est ça. Oui. Très bien. Et en bas, c'est fille ou fils, ça. C'est God. Daughter. Et le dernier, c'est feuille, je ne dis pas. C'est feuille, je pense. Fille ou garçon, c'est godchild. Child. Godchild. Child. Child. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Félicitations. Merci. Alors, Rabia, vas-y, à toi. Oui, godmother, godfather, godson, goddaughter, godchild. Godchild, child. Je vois que j'avais un petit souci au niveau de la prononciation de child. C'est pas child. Child. Parce que si tu prononces child, si vous prononcez child, ça veut dire un autre mot. Et c'est plus du tout le mot enfant. Donc, godchild. Godchild. Voilà, c'est très bien. À toi, Ouda, on t'écoute. C'est godmother, godfather, godson, goddaughter and godchild. Très, très bien. Je vous félicite tous. Donc, on passe à la diapositive suivante. Donc, là, on va parler des statuts. Marié ou divorcé. Donc, pour dire que l'on est célibataire, on va dire single ou bachelor. Fiancé, on va dire engaged. Marié, on va dire married. Et il y a deux R en anglais pour marié. Mm-hmm. Je crois de d'écrire les deux R, hein, c'est important. Married. Enceinte, on va dire pour dire enceinte, pregnant. Séparé, on va dire separated. Divorcé, divorced, veuf, widower, et veuve, widow. Donc, à toi, Stéphane. Ok. Pour dire célibataire, on dit bachelor. Single, ouais. Fiancé, engaged. Engage. Engage, pardon. Marié, married.
Married. Enceinte. Married. Married. Oui, c'est très married. Bien. Enceinte. Pregnant. Pregnant, oui. Séparée. Separated. 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 Separated, ok. Separated. Divorcée. Divorced. Non, divorced. Divorced, ok. Avec un de la fin, divorced, ok. Veuf. Widower. Très bien. Veuve, widow. C'est très bien. Félicitations. À toi, Rabia. Single, bachelor, engaged, married, pregnant, separated, divorced. 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 Non. Non. Divorced. 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 Voilà, c'est bien. Divorced. Je ne prononce pas le R. Non, ça ne se prononce pas. D'accord. Divorced. Widow. Widow. Très bien. Ouda, vas-y. Divorced. Oui. Célibataire, single or bachelor. Mm-hmm. Fiancé, engaged. Marié, married. Enceinte, pregnant, séparé, separated, divorcé, divorced, veuf, widower, veuve, widow. C'est très bien. À toi, Céline. Je suis en train d'écrire. Attends, j'arrive. c'est bien, ça va te faire. Si vous écrivez les mots de vocabulaire, ça va vous enrichir vos. Mais bien sûr, oui. Sur la famille, c'est important de connaître les mots de vocabulaire sur la famille. Oui. Je suis le dernier au W là. À la fin, si c'est possible, de nous de reprendre la première leçon, là où il y a la fille, le fils, le mari, la femme. Oui. Je n'ai pas encore tout terminé. Moi aussi, je n'ai pas tout terminé. Je suis à moitié. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens juste à informer tout le monde que ce cours-là, il est enregistré sur YouTube. Je vous ai envoyé le lien et vous pouvez toujours revenir dessus au cas où quelque chose vous a échappé. Ok. Ah, merci. Dans le groupe, c'est important. Dans le groupe, je vous ai envoyé le lien de YouTube. Donc, vous pouvez le voir à n'importe quel moment. Là, on est en direct. Ouais. Justement, je crois que je ne suis pas dans ce groupe. C'est sur WhatsApp ou Facebook? Ben, sur WhatsApp, mais normalement, Ouda, tu dois y être là, non? Non, je ne suis pas sur le groupe WhatsApp. Sur WhatsApp, mais je vais ajouter Ouda. Salut Ouda. Tu vas bien? Salut Chris, ça va? Ouais, Chris, tu la rajoutes? Ouais, je vais la rajouter tout de suite. Merci, Chris. Moi, je pensais qu'elle était dedans. Non. Oui, parce que je t'avais donné, ma soeur, je t'avais donné le contact de Ouda. Eh bien oui, je me souviens, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Et c'est pour ça que je lui ai envoyé le lien. Elle était parmi nous dans le groupe, mais... Tout à fait, je viens de la rajouter. Oui, okay, c'est parfait. Bon, d'accord. Merci. C'est bon, merci, ambassadeur. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. On va la marquer, on va la mettre aussi en administratif du groupe. Comme ça, tu pourras rajouter qui tu veux aussi, comme tout le monde. Okay. Comme ça, vous pouvez rajouter du monde. C'est important de parler français, de parler anglais pour votre... Oui, c'est très important. Allez, Céline, tu as fini? Oui, j'ai fini. Allez. Alors, fiancé, j'ai lu... fiancé, c'est single, bachelor. Alors, single. Single. Voilà. Single. Non, c'est pas fiancé, c'est célibataire. Parce que tu as dit fiancé, single. Non, c'est célibataire. Célibataire, oui, célibataire. Voilà. Pas fiancé. Fiancé, c'est... Fiancé, c'est engaged. Engaged. Voilà. Donc, tu prononces eng, c'est un E, I, N, donc tu le prononces avec un I alors. Non, N. N. Engaged.
Engaged. Engaged. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, après, c'est divorcé, c'est ça, non? Non, marié. C'est pas... Marié, c'est séparé, non? Marié, c'est married. Married, married, oui. Married, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien. Et voilà. Et donc, divorcé, c'est séparé, non? Non, enceinte. Et... Hein, je vais écouter, je veux entendre enceinte. Comment tu le dis en anglais? En anglais, d'accord. Alors, c'est séparé. Non, enceinte, c'est pregnant. Tu as oublié le mot enceinte? Oui, parce que moi, je suis, comme ça s'appelle, S-A-C-C. Attends, oui, c'est ça. Séparé, je suis séparé. Bon. Ah oui, mais juste avant, regarde le, dans le, sur la diapositive. Enceinte, oui, enceinte, voilà, je n'ai pas, voilà, pas marqué. Voilà, juste avant, le mot enceinte. Non, enceinte, c'est quoi le langage d'enceinte? C'est... Pregnant. Voilà. Parce que je le lis en français, donc ça fait dur pour moi. C'est pregnant, c'est ça? Non, pregnant. En deux mots, pregnant. Pregnant, d'accord. Il est plus facile à le dire qu'à le lire. Là, oui. Pregnant. Pregnant, voilà. Donc après, c'est séparé, c'est séparat. Séparate. Alors, c'est separated. Oh là là. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir ce qui t'écrit. Hein. C'est pas facile. Ah oui, ça n'a rien à voir. La corde, c'est pas facile. Oui. Donc, je suis à divorcer. C'est divorcen. Divorced. Alors, divorced. Divorce. Divorce. Avec quelques accents, évidemment. Après, je suis à veuf. C'est Will, c'est ça, Will Dor. Oui, Will Dor. Oui, d'accord. Et donc, veuve, c'est Will Dom. Widow, voilà, Widow. C'est bien. Je te félicite, tu fais beaucoup d'efforts. C'est pas facile la prononciation, mais je te félicite. Merci. Voilà, que tu fais beaucoup d'efforts, c'est bien. Donc. On passe à ambassadeur Chris. Ouais. Célibataire, single, bachelor, fiancé, engaged. Engaged. Marié. Engaged. engaged. Voilà, c'est bien. Fiancé, engaged. Marié, married. Oui. Enceinte, pregnant. Oui. Séparé, separated. Divorced. Oui. Veuf, widow. Oui. Veuve, widow. C'est très bien. À toi, Stéphane. J'ai déjà fait déjà. Ah, tu l'as fait déjà? Ah. Oui. J'ai passé tout le monde en revue, là? Oui. Oh, oui. Oui. On passe à la diapo suivante. Allez, on avance. C'est bien parce qu'il y a un exercice à la fin. Il n'est pas long l'exercice, mais si vous avez pas suivi, vous sauriez le faire. Donc, on parle des cérémonies. Donc, tout ce qui est cérémonie, bien sûr, c'est fait partie de la famille. Donc, pour dire on va dire birth, voilà, anniversaire, birthday. Mariage. S'il vous plaît, coupez vos micros quand je parle parce que c'est pas facile. Merci. Donc, mariage. Donc là, on va faire une distinction entre le mariage, le jour du mariage. Quand vous vous mariez, jour J, vous allez dire my wedding. Wedding. Pour parler du concept du mariage, par exemple, la préparation du mariage, voilà, vous le faites en un an et demi, peu importe, ou 6 mois ou moins. Là, vous allez dire marriage. Et là, vous l'écrivez avec 2 R, très important. Alors, le mariage en français s'écrit qu'avec un R. The marriage en anglais s'écrit avec 2 R. Donc là, on parle du concept. On ne va pas confondre avec le jour du mariage, wedding. La lune de miel, on va dire honeymoon. Honeymoon, et pareil, on prononce bien le H. Honeymoon. Alors, pour ceux qui ne sont pas là,
lorsque j'ai fait le cours grammatical sur le H prononcé. Le H prononcé, on le dit H en anglais. Et donc, c'est comme si vous expirez, vous inspirez. Honeymoon. Honeymoon. Voilà. Pour dire avortement, on va dire abortion. Abortion. Orphelin, on va dire orphan. Baptême, christening. Baptiser, baptize. To baptize or to christen. Christen. Décès, mort, on va dire death. Deuil, mourning. Mourning. On ne prononce pas le U, hein. C'est pas mourning, c'est mourning. On prononce que le O. Enterrement, funérailles, funeral. Et réunion de famille, on va dire family gathering. Allez, je vous écoute. Stéphane, à toi. Alors, naissance, birth. Oui, très bien. Anniversaire, birthday. Très bien. Mariage, wedding. Pour dire le jour du... mariage, le jour précis du mariage. La cérémonie, c'est marriage, deux R. Ce n'est pas la cérémonie. La cérémonie, c'est wedding. Ça fait partie du jour du mariage. Ah, d'accord. Non, mais, d'accord. En fait, je veux dire, la cérémonie, le jour du concept du mariage, on dit marriage, comme tu avais dit tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. OK. Lune de miel, c'est honeymoon. Très bien. Avortement, abortion. Très bien. Orphelin, orphan. Orphan, pardon. Très bien. Baptême, christening. Très bien. Baptisé, christen ou baptiste. Baptise, pardon. Mort, c'est duct. Deuil, c'est mourning. Mourning, oui. Mourning. Funéral, funeral, pour dire funérailles. Et réunion de famille, a family gathering. Gathering. Très bien. Gathering. Très bien. Je te félicite. Allez, on passe à Ouda. Naissance, birth. Anniversaire, birthday. Mariage, en parlant de la date de mariage, wedding. Mm-hmm. Lune de miel, honeymoon. Mariage, concept, marriage. Avortement, abortion. Orphelin, orphan. Baptême, christening. Baptisé, baptise, or christen. Baptise, christen. Baptise, christen. Décès, death. Deuil, mourning. Enterrement, funérailles, funeral. Réunion de famille, family gathering. Ah, très bien. Allez, on passe à ambassadeur Chris. Naissance, birth. Anniversaire, birthday. Mariage, le jour du mariage, wedding. Lune de miel, honeymoon. Mariage, le concept, marriage. Avortement, abortion. Orphelin, orphan. Christening, baptisé, baptise, or christen. Décès, mort, death, oui. Deuil, mourning, oui. Enterrement, funérailles, funeral, réunion de famille et family gathering. Très bien, très bien. Donc, on passe à Rabia. À toi, Rabia. On ne t'entend pas. J'ai gardé mon micro fermé. Je lisais. Naissance, birth. Anniversaire, birthday. Mariage, wedding. Lune de miel, honeymoon. Mariage, marriage. Avortement, abortion. Abortion. Orphelin, orphan. Baptême,
christening, baptisé, oui. Baptiste, christen, baptize, christen, décès, mort, date, deuil, mourning, enterrement, funérailles, réunion de famille, a family gathering. Gathering, c'est bien. Allez, on passe à toi, Céline. As-tu eu le temps de recopier? Je suis en train de finir, là. Je n'ai pas encore fini. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4. OK. D'accord, ben on te laisse le temps. Merci. Je démarres quand tu es prêt. D'accord. Donc, c'est baptême, baptisé. On peut reprendre la prononciation, sinon. Oui, mais il finit d'écrire, Céline. Ah oui. Il finit d'écrire. Mais il peut toujours faire la prononciation et continuer à écrire. Voilà. On va t'écouter faire la prononciation et tu continueras. Merci pour les filles, ils sont gentils, les filles. Hein. Je suis un homme, mais bon. Je sais que vous vous aidez, mais quand même, merci. Hein. Alors, naissance, c'est bitter, c'est ça? Non, ça se dit birth. Birth. C'est rigolo, mais Céline, j'adore Céline. C'est mortel. Ouais. Vas-y, recommence le naissance. Alors, recommence naissance, moi. Alors, anniversaire, c'est birthday, birthday day. Non, birthday. Ah, birthday. Voilà, c'est bien. Après, donc, il y a lune de miel, c'est honeymoon. Oui, honeymoon. Alors, tu as oublié le mariage, le jour du mariage. Comment tu le dis? Alors, jour de mariage, c'est... jour de mariage, je n'ai pas marqué celui-là. J'ai marqué mariage, mais je n'ai pas marqué... Mariage, c'est ça. Non, regarde l'écran, t'as pas... Ben, dans l'écran, je vois comment ça s'appelle. Mariage... Tu regardes le mariage, toi. Regarde l'écran. Je prends plein de la gueule, là. S'il vous plaît, pas de commentaires en dehors du professeur, parce que je n'ai pas pour habitude de casser mes élèves, je n'aime pas ça. Non, même pour rigoler, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vais faire valoriser la personne. Au contraire, on est en famille là. Bref. On a bien braqué, mais j'ai une famille. Bon, mais bref. Alors, orphelin, c'est orphan. Voilà, c'est ça. C'est ça. Baptême, c'est christianisme, nigme. Christening, oui. Baptisé, c'est Christen. Christen, baptize. D'accord. Après, décédé ou mort, ça veut dire déaté. Death, c'est bien. C'est ça. Entretien, non, c'est le funérail, funérail. Alors, je ne sais pas comment dire. Funeral, d'accord. Funeral. Après, réunion de famille, c'est family gathering. Gaten ring. Le TH, sache que tu le prononces comme un V. Gathering. Ah, d'accord, comme un B. Un V pour Victor. Gathering. A family gathering. OK. Et tu as oublié le mot deuil. Deuil, c'est mourning. Mourning, oui. Deuil. Mm.
J'avais confondu avec good morning, j'avais confondu par rapport à ça. Non, alors good morning, ça s'écrit G2OD, plus loin, M-O-R-N-I-N-G. Là, okay. C'est more, more, good morning, et là, c'est morning, morning. Sauf que là, tu l'écris avec un O-U, mais le U, tu ne le prononces pas. D'accord. Ça veut, dire, ça veut dire deuil. D'accord. Morning, ça veut dire deuil. OK. Et je passe à la diapo suivante et on a pratiquement fini. Dernière diapo, pour voir si vous avez bien suivi, c'est un exercice. Voilà. Profond. Demande à Salim s'il a fini d'écrire avant que tu tournes la page. T'as fini, Salim ? Oui, j'ai fini. Hein. Donc, avant-dernière diapo, on y est presque. Les étapes de la vie. Donc, pour dire nouveau-né, on va dire newborn. Bébé, on va dire baby. Bébé qui commence à marcher, c'est-à-dire un petit enfant entre 1 et, on va dire, 2 ans, 1 an, à partir de 1 an. Toddler. Enfant, toujours pareil, child. Adolescent, on va dire teenager. Jeunesse, pour dire la jeunesse, youth. Adulte, le nom, adult. Adulte, l'adjectif, grown up. Vieillesse, on va dire old age. Vieille dame, old lady, old woman. Vieil homme, old man. Et les personnes âgées, old people. C'est bon? Okay. Donc, on commence par toi, Stéphane. Ok. Alors, nouveau-né. Newborn. Oui. Bébé. Baby. 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 Bébé qui commence à marcher. Toddler. Oui. Enfant, child. Oui. Adolescent, teenager. Oui. Jeunesse, youth. Youth, youth. Ça se prononce TH, ça se prononce dans ce cas-là F, youth. Ah, youth, youth. Oui. Ok, F, youth, youth. Ok, TH, F, ok, youth. Adulte, c'est adulte. Oui. Adulte, l'adjectif, c'est grown up. Grown up, oui. Grown up. Vieillesse, c'est old age. Oui. Vieille dame, c'est old lady. Old woman. Vieil homme, old man. Les vieilles personnes, personnes âgées, old people. Très bien. Allez, on passe à toi, Rabia. Nouveau-né, newborn, bébé, baby. Bébé qui commence à marcher, toddler. Enfant, child. Child. Adolescent. Appelle-toi child et non child. J'ai un problème avec le child. Le child, child, child. Adolescent, teen girl. Jeunesse. Youth, adulte, adulte. Adulte, l'adjectif grown up. Vieillesse, old age. Vieille dame, old lady, old woman. Vieil homme, old man. Les personnes âgées, old people. Très bien. À toi, Ouda. Nouveau-né, newborn. Bébé, baby. Bébé qui commence à marcher, toddler. Enfant, child. Adolescent, teenager. Jeunesse, youth. Adulte, adult. Adulte, adjectif, grown up. Vieillesse, old age. Vieille dame, old lady or old woman. Vieil homme, old man. Les personnes âgées, old people. C'est très bien. Allez, juste pour l'accentuation. Je reprends adolescent, on va dire teenager, teenager. Teenager. Voilà, c'est bien. Donc, à toi, ambassadeur Chris, s'il te plaît. Merci. Nouveau-né, newborn, bébé, baby, bébé qui commence à marcher, toddler, enfant, child,
adolescent, teenager, jeune, youth, adulte, adulte, adjectif, grown up, vieillesse, old age, vieille dame, old lady, or old woman, vieil homme, old man, les personnes âgées, all people. C'est très, très bien. Donc, il ne manque plus que Selim. As-tu écrit ton... tous tes mots? Je suis en train de finir. J'ai fini. OK. Donc, on t'écoute. Monsieur. Alors, nouveau-né, c'est... J'ai marqué Neuborn. Newborn, oui, c'est bien. Newborn. Et baby, donc c'est bébé, ça on connaît par cœur pour nous. Et bébé qui marche, donc c'est toddler. Enfant, c'est child. Non, child. 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 C'est marqué child, donc ok, ok. Oui, ça, c'est marqué child, mais ça se prononce child. Le i en dans l'alphabet se prononce i, donc child. Ouais. Tu vois? Donc, adolescent, c'est teenager? Teenager, d'accord. C'est bon, c'est I. Donc, jeunesse, c'est youth? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien. Après, adulte du nom, c'est adulte. Adulte, c'est adulte, c'est ça? Comment tu dis? Adulte, d'accord. Donc, adulte, adjectif, c'est grow, c'est ça, grown up. Donc, après, c'est vieillesse. Oui. C'est old age. Old age, age. Age. OK. Après, voilà. Après, c'est vieille dame, c'est old lady. Oui. Old one man? Woman, old woman. Woman. Yeah. Woman. Oui. Ok. Vieil homme, c'est old man? Oui. Mm-hmm. Et les personnes âgées, on dit old people. Old people. On ne prononce pas le O. Old people. Ok. Eh bien, c'est très bien, tout le monde. Maintenant, on passe à l'exercice final. Allez. Donc, je vous lis les phrases et puis vous essayez de les noter sur une feuille et j'aimerais, j'interrogerai tout le monde à tour de rôle pour voir si vous avez bien compris. Donc, petit A, donc exercice sur le vocabulaire de la famille en anglais. Choisissez la bonne réponse parmi les mots en gras. Donc, vous voyez, vous avez des mots en gras, vous le voyez? Donc, I have two children, a son and a daughter. Alors, daughter, c'est première réponse, cousin, deuxième réponse, husband. Donc, j'ai fait la traduction en français pour que vous puissiez comprendre quand même, ça vous facilite un petit peu les choses. Donc, ça veut dire, j'ai deux enfants, un fils et première réponse, une fille, cousin ou mari. Donc, Ouda. Quelle est la réponse qui te semble la plus cohérente? I have two children, a son and a daughter. C'est très, très bien. Et oui, vous avez compris tout le monde? Oui, oui. Ça vous semble cohérent? Oui, cohérent, oui. Vous avez tous répondu a daughter? Yes. Céline, oui. Tu as répondu daughter? Non, moi, je n'ai pas répondu. Ah, qu'est-ce que tu aurais mis, selon toi? Là, c'est un peu dur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais mis. Mais, I have two children, ça veut dire j'ai deux enfants. Donc, si tu as deux enfants, là, c'est a son, un fils, and a daughter, une fille. Or cousin, cousin or husband. Cousin, ça veut dire cousin. Et husband, rappelle-toi, ça veut dire... Ah oui, je n'ai pas fait la première diapo. On y reviendra. Marie, husband, ça veut dire mari. Donc,
ce qui te semble le plus correct, qu'est-ce selon toi va être la réponse? Allô? Oui? Je dirais la deuxième. Cousin? Non. Tu ne peux pas dire I have two children, a son and a cousin. Tu ne peux pas dire j'ai deux enfants, un fils et un cousin. Tu comprends? Ok. Tu dis j'ai deux enfants, un fils et une fille. Bon, comment tu dis une fille en anglais? C'est daughter. Daughter, oui. Vous avez tous répondu cela, les autres? Oui. Qu'est-ce que tu as répondu? Pareil, parce que je savais que son c'était fils et Dover c'était fille. Ok, très bien. Et ambassadeur Chris? Pareil? Oui, je suis d'accord avec ça, c'est cohérent. Ok, et Ouda, tu as répondu la même chose? Oui, oui, je suis déjà passée en premier. Ah, c'est Rabia alors, excuse-moi. Oui, la même chose, a son and daughter. Ok, très bien. Donc, la deuxième phrase, petit B, my wife. Donc, ça se complique, hein. Faites bien attention, my wife, who, husband, who, son's name is Betty. Alors, Betty, c'est un nom féminin, un prénom féminin, comme Séverine, comme Rabia, comme Nadia. C'est un prénom féminin en anglais, Betty. Donc, cela veut dire exactement le nom de ma femme, mari ou fils, est Betty. Selon toi, Stéphane, quelle est la réponse la plus cohérente? Alors, my wife, name is Betty. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que husband, c'est le mari. Et son, c'est le fils. Donc, ça ne peut pas être ça, puisque mari et fils, c'est masculin. Donc, si on veut le féminin, ça va forcément être wife. Ça va être le nom de ma femme est Betty. My wife's name is Betty. Très bien. Donc, petit C, troisième phrase. John, alors là, ça se complique. John is my stepbrother. Ou brother-in-law, he's my wife's brother. Donc, on va dire John est mon demi-frère ou beau-frère, il est le frère de ma femme. Je vous confonds, Rabia et Ouda. C'est Rabia que j'ai interrogé en premier. Non, c'est Ouda. Rabia, vas-y, excuse-moi. John is my brother-in-law. Très, très bien. C'est très bien, oui. Merci. Pourquoi? Parce que c'est le frère de ma femme. Ma femme, oui. Voilà. C'est mon beau-frère. Donc, comment on appelle ça? L'alliance du sang, c'est la famille. Oui. Alors que stepbrother, rappelez-vous, il n'y a pas d'alliance de sang. Oui. Voilà. C'est hors cadre alliance de sang. Vous avez compris tous? Moi, j'aurais pris John et mon demi-frère. Oui, mais en anglais. En anglais, on dit brother-in-law. Tu as raison de dire demi-frère. Oui, non, pas demi-frère, beau-frère, pardon. Beau-frère, c'est brother-in-law. On va revenir à l'affiche, si vous voulez, plus tard, parce que celui-là est un peu compliqué. Donc maintenant, qui est-ce que j'ai interrogé? Rabia, Ouda et Stéphane, c'est ça? Oui. Donc Selim, à toi, la quatrième phrase. Their wedding, marriage was a great day. Le jour du mariage, le concept du mariage était un grand jour. Donc là, on parle du jour du mariage. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre, Céline? Rappelle-toi. On va mettre wedding ou marriage? Je dirais marriage. Non. Non. Non, parce que le jour.
le marriage, marriage en anglais, c'est pour parler du concept du mariage. Quand tu prépares ton mariage, par exemple, tu vas dire comment, où tu en es par rapport à la préparation du mariage. Bah, tu vas dire what are you doing about your, je sais pas, how is your, the preparation of your marriage. Là, tu vas dire ça. Ouais, en fait, si je me permets d'intervenir pour que ce soit quelque chose de très cohérent et simple pour eux à retenir, c'est que quand tu parles de wedding, c'est le jour même, donc effectivement. Mais quand tu parles de mariage, tu peux parler de ton mariage, pas forcément les préparatifs, mais tu dis « my marriage is for 10 days », dans 10 jours ou dans voilà, 2 c'est ça. C'est voilà, ça. Donc tu vas utiliser… Et tu peux aussi l'utiliser, par exemple, les préparatifs, la robe, etc. La robe de mariée, etc. Le mariage, mon mariage, my marriage in 6 months. Mon mariage dans 6 mois. My wedding today. Et ça, quand vous comprenez. Voilà. Yes. C'est ça. Vous avez tous compris? Oui. Bon, très bien. Donc, on passe à la 5e phrase, avant-dernière. My brother... ou mother ou sister's name is Paul. Paul, c'est un prénom, bien entendu, masculin. Ouais. Donc, quel va être le mot à toi, ambassadeur Chris? Pour ces cas de figure, nous allons utiliser la formule my brother. My brother's name. My brother's name is Paul, exactement. Donc, ça veut dire tout simplement le nom de mon frère est Paul. On écarte mère et sœur, mother or sister, puisque ce sont des noms féminins. Voilà. Donc, dernière phrase, on va refaire participer Selim. Mm. Dernière phrase. When I was 15, I was a child, a teenager or an adult. Donc là, c'est quand j'avais 15 ans, j'étais ou un enfant, ou un adolescent, ou un adulte. Donc ça, c'est ce que ça veut dire en français. Donc quel est le mot en anglais que tu choisirais? Child, teenager ou adult? Je dirais adox. Non. Quand c'est tu es adolescent. Voilà, adolescent. Donc comment tu dis? Comment tu dis adolescent en anglais? Teenager. Oui. Voilà. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, on va passer à la première diapo et la deuxième diapo. La première diapo. Donc, Céline, tu avais écrit cette diapo ou pas, non? Il faut que je voie où je... Le premier diapo, c'était pas la belle-mère, non, c'était ça? Non, là, c'est les membres. Le célibat? Non, les membres essentiels de la famille. Je ne pense pas que tu étais là. Belle-mère, beau-père, beau-frère? Non, c'est père. Là, tu regardes sur l'écran. Regarde l'écran, c'est okay. Père. Father, dad, daddy. Mère, mother, mum, mummy. Enfant, child, children, kids. Grand-mère, grandmother, grandma, granny. Grand-père, grandfather, grandpa. Arrière-grand-père, great-grandfather, great-granddad, great-granddaddy. Arrière-grand-mère, great-grandmother, great-grandmum et great-grandmummy. Non, je n'étais pas au premier diapo. Oui, c'est pour ça que je la remets, la diapo, pour que tu puisses écrire les mots de vocabulaire. OK. Voilà. Donc, en attendant, le cours est fini. Et donc, la semaine prochaine, je vais faire un cours de grammaire cette fois où on va utiliser des phrases et on va utiliser tous les mots de vocabulaire que l'on a vus. Donc, mots de vocabulaire, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on a utilisé des mots de vocabulaire sur les animaux Et la famille. Mmh. Là, je vais faire des phrases et on va faire un cours grammatical. D'accord ? Ça marche ? Oui. Ça okay. Vous a plu le cours? Oui, merci beaucoup. Vous avez appris des choses ou vous saviez déjà ces choses? Non. Les premières, father, mother, mais après... assez compliqué. On a appris, ah oui.
Et apprends et on s'améliore par rapport moi, par rapport le premier cours à aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup évolué, je crois. Oui. Alors, la semaine prochaine, je vois que il y a des mots où vous fourchez encore. Et je pense que l'alphabet n'a pas encore été bien assimilé. On va revoir l'alphabet la semaine prochaine aussi, avant de faire le cours grammatical. Parce qu'en sachant bien l'alphabet, ça va vous apprendre à mieux prononcer les mots. D'accord? D'accord, oui. Voilà, donc on reverra le premier cours que l'on a fait sur l'alphabet. D'accord. Voilà. Le premier cours, on l'a en vidéo, non? Je ne sais pas si on l'a en vidéo, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Nadia, on l'a le premier cours, non. Le premier cours, je ne pense pas. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. Le premier cours n'était pas enregistré, Nadia. Tu sais, mon premier cours de présentation. Non, tout est enregistré chez nous. On n'était pas, peut-être pas en direct, mais c'est enregistré dans notre plateforme. D'accord. Tous nos cours, depuis le départ, ils sont enregistrés. Ok, d'accord. Par contre, moi, j'avais envoyé à Raj mes cours d'anglais. Alors, ouais. Je ne sais pas s'il l'a mis sur la plateforme pour que vous puissiez voir les diapos. Ben, la plateforme, tu n'as pas besoin de Raj pour le mettre. Tu les donnes soit tu les mets toi-même, soit tu les donnes à Rabea, à Chris, à qui que ce soit, il va te le faire. Oui. Mais en fait, moi, quand je mets mes cours d'anglais sur la plateforme, ça ne marche pas, ça n'arrive pas à ouvrir. En fait, tu les envoies, à partir de maintenant, tu les envoies à Rabea et elle se chargera de mettre ça. Qui? Rabia. Ah, Rabia, d'accord. Oui. Ouais. Tu les donnes à Rabia et Rabia, elle va les mettre dans la plateforme. Pas de souci. Tu as fini, Céline? Avec plaisir, oui. La diapo, je peux. Je suis en train de l'écrire. Ah. L'idéal, ça serait de profiter pour demander à tout le monde est-ce qu'ils ont des questions à poser surtout. Oui. Voilà. Des choses peut-être qu'ils ont vues dans un autre cours et qui n'ont pas assimilé ou quelque chose comme ça, en attendant que Selim soit en train de copier. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le TH se prononce F. Alors, ça dépend dans quel mot. Le TH peut se prononcer V, comme Victor, ou à la fin d'un mot, si tu vois TH comme youth, là, ça se prononce F comme foxtrot. Ah, d'accord. C'est quand c'est à la fin d'un mot, TH, c'est F. Ça dépend, en fait. Ça dépend. En fait, quand vous avez un TH, pour bien la prononcer, c'est vous mettez votre langue entre les dents, the. Voilà. Ça, c'est, okay. Voilà. Et c'est pas un F, c'est pas un T, c'est un de. Ça dépend parce que Nadia, regarde, youf, tu ne dis pas, c'est un TH, mais comme ouais, ça. Non, tu ne dis pas youf, tu dis youth. Youf. Il faut que ta langue soit entre tes dents. Tu dis youth. Oui, pas de. On ne l'entend pas V, on l'entend F. Oui, mais ça n'a pas d'importance du moment que ta langue soit entre tes dents. Après, la langue entre les dents. Son, comment il va sortir? Si par exemple, on parle de pas de, ça sera comme une sorte de D, ça fera pas de. Ok, pas de. Si par exemple, je dis youth, tu as l'impression que c'est un F, mais c'est un de. Youth. Après, n'oubliez pas de mettre toujours votre langue entre les dents quand il s'agit d'un TH. Comme ça, une fois qu'il y a le T. Après, une fois que tout dépend de la voyelle qu'il y a avant ou après, si c'est une consonne ou quoi que ce soit, tout dépend de la voyelle qu'il y a, le son va sortir différemment. Ça peut être un V ou un F. Là, vous pouvez l'essayer un par un et vous allez comprendre. Par exemple, vous dites « pas the », la langue entre les dents. « The ». Voilà, là, c'est très bien, Steph. Là, c'est la vraie prononciation. Pas de. Yes, de. Maintenant, dis yo. Yo. Voilà, yo. Tu vois, yo. Là, tu as l'impression que tu fais un F.
mais c'est le son qui sort comme ça parce que il y a justement, c'est selon la place des voyelles qu'il y a autour. D'accord. Là, avec un A, ça fait un V. Avec un U, ça fait un F. Tu comprends? Donc, j'ai compris. Yo. Ok. Yo, tu vois? Oh, là, là. Voilà, là, la prononciation, elle est parfaite. D'accord. Très bien. Merci, merci, merci. Oui, j'ai une petite question. Beaucoup. Quand est-ce que la formule A plus L donne all? Comme l'exemple, je donne l'exemple de plural. Est-ce que c'est généralement comme ça ou ça dépend? Le A. On n'a rien compris. J'ai pas compris là. Quand est-ce que la formule A plus L donne all? Parce que là, quand on parle de plural, c'est AL, non? À la fin. Oui, mais c'est parce que c'est. C'est général, c'est une façon générale. C'est en général, c'est le mot qui s'écrit comme ça, plural. Voilà. Et maintenant, si les AL se trouvent entre le mot, par exemple, dans plastique, ou palace. Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, ce sont les mots qui s'écrivent comme ça, mais faut pas que tu t'arrêtes à all. Si, ouais. Tu vois, enlève cette idée de la tête, all. Non, non, ce sont des mots où tu, effectivement, tu vois le AL, mais c'est pas. Ce sont des mots, tout simplement, de vocabulaire. Ah, oui. C'est du par cœur, en fait. Oui, d'accord, je comprends. Tu cherches pas à comprendre. Ne te complique pas la vie parce que sinon, tu vas tout mélanger. Mm-hmm, exactement, merci beaucoup. D'autres questions? Oui, il y a une autre question. C'est par rapport aux mots qu'on prononce quand on le lit en français et quand on le prononce, c'est autre chose. C'est ça qui est un peu dur pour nous. Est-ce que les premiers mots, on peut les mettre en français pour les apprendre direct ou aller directement en anglais? Alors, c'est pour ça que je parlais de l'alphabet tout à l'heure. On va revoir la semaine prochaine. Si tu es là, Céline, je t'encourage à être là. Je vais revoir l'alphabet. Et ça, en voyant l'alphabet, ça va t'aider à bien comprendre la phonétique. Comment marche la phonétique anglaise? Après, quand tu verras un mot, tu vas penser à l'alphabet. Tu vas te dire, ah oui, le A, ça ne se prononce pas A. Exactement, c'est ça. Oui. Ça se prononce A, tu vois. Ou bien, il y a des mots où tu prononces father. Par exemple, là, tu entends bien le son A. Mais en général, l'alphabet t'aide à mieux prononcer l'anglais. Quand tu as compris le principe de l'alphabet, tu as compris la phonétique anglaise, à peu près. Mm-hmm. Ok. Bah, comme tu sais que je parle plusieurs langues, donc l'italien, l'espagnol, l'arabe, le kurde, donc aussi, on a des mots aussi qui sont comme ça, où c'est qu'on a besoin, quand on les prononce, ça se prononce facilement, mais quand on le lit, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. C'est partout pareil. Ouais. D'accord. Moi, donc, ça m'a fait à ma septième langue. Ouais, c'est bien. Donc, tu es tellement fière de lui, ça, c'est exceptionnel quand même. Alors, notre Selim international. tu as ce je pense pas que tu aies ce les autres membres de la famille Dora, Son, est-ce que tu avais écrit ça? C'est de la famille qui veulent apprendre que... Oui, j'ai de la famille qui veulent apprendre. Non, mais je veux dire, est-ce que tu l'as noté? Ce qu'il y a sur l'écran, est-ce que tu l'as écrit? Le nom de famille, tout ça, oui. Regardez, une minute, Marie, oui. Je note le reste, s'il vous plaît. Oui, elle ne l'a pas noté aussi. Oui, je suis à oncle. Alors, Céline, moi, ce que je te dis, c'est que la deuxième diapo se porte sur les autres membres de la famille, comme fille, fils. Est-ce que tu peux noter tout ça? Oui, my brother, my sister, my uncle, oui. Voilà, c'est ça. Ok, bon. Eh bien, Rabia, je t'envoie tous mes cours. Très bien, ok. D'accord.
Donc, on se dit à la semaine prochaine. Donc, okay. Comme à chaque fois, donc pour dire à la semaine prochaine, je vous vois la semaine prochaine ou je vous parle la semaine prochaine. Speak to you soon or speak to you next week. Pour dire la semaine prochaine, c'est next week. Et puis, le fameux goodbye. C'est quoi? C'est jeudi prochain? C'est jeudi prochain, même heure, 15h. Comment tu dis en anglais? It's next Thursday at 3 o'clock. Okay. Ça, les heures, on les verra. Quand on verra les nombres et les heures, et je vous apprendrai les heures, comment dire les heures. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. Là, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va essayer d'associer les mots de vocabulaire dans des phrases. Voilà. Ok, merci. Voilà. Très bon après-midi. Merci beaucoup. Oh, ravi de vous avoir. Merci parmi beaucoup vous. À vous. You're welcome. Je vous en prie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. À tous et à la semaine prochaine. C'est une plateforme. Même plateforme, même professeur, même heure. Voilà. Merci beaucoup, Queen Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.